Après avoir annoncé son intention d'attaquer des tabloïds anglais, le prince Harry souhaiterait avoir un droit de regard sur les journalistes qui couvrent les événements royaux. Qui sera dans les petits papiers du prince Harry? D'après les informations du Financial Times, les journalistes ne pourront pas se déplacer à leur guise aux événements organisés par la couronne pour les couvrir. En effet, le prince Harry souhaiterait décider quels journalistes couvriront les événements royaux ou non. Cette information qui n'a pas encore été commentée par Kensington Palace fait déjà grincer quelques dents et pour cause elle intervient peu après la décision d'Harry d'attaquer des tabloïds britanniques en justice. Par cette volonté, celui qui a prêté son image à une vidéo sur la santé mentale veut contrôler ce qu'il se dit sur lui et sa famille. Pour rappel, il a annoncé dans un communiqué surprise publié le mardi 1er octobre, il a fait savoir qu'il attaquerait en justice les médias harcelant sa femme Meghan Markle, de peur que son destin soit le même que sa mère, Lady Diana. Ainsi, il a annoncé la poursuite du Mail on Sunday pour la publication d'une lettre privée de Meghan adressée à son père mais également le propriétaire du Sun et l'ancien propriétaire du Mirror. Plutôt que d'intimider la presse, ça a énervé. Ainsi, peu après la mise en ligne du communiqué, le Mail on Sunday a publié d'autres informations sur Meghan Markle, montrant par la même occasion au prince Harry que ses menaces n'allaient rien changer. Cette nouvelle information concernant l'envie du frère de William de décider qui aurait le droit de couvrir les événements organisés par la couronne devrait mettre encore un peu plus d'huile sur le feu entre la presse britannique et lui.